Alors CHAM, c'est une société d'assurance mutuelle et finalement tout l'être de CHAM est dans ses mots. Je pense que quand je suis rentrée à l'hôpital, l'assurance c'était effectivement un chèque que l'on faisait et quelqu'un qui pouvait nous aider financièrement dans les sinistres. Je pense qu'on est arrivé à un rôle de conseil, d'appui, qui nous a permis ensemble de construire aussi cette politique de gestion des risques, cette politique de sécurité et puis cette politique d'accueil du patient. J'ai toujours eu l'impression, pendant plus de 30 ans, d'avoir eu un pied dans l'assurance et un pied dans l'hôpital et d'avoir cette double appartenance qui est effectivement résumée dans le nom de CHAM, dans notre âme, dans notre être. Nous sommes tout à fait issus des hôpitaux publics et puis aussi établissements privés. Ce qu'a voulu faire CHAM et justement donc se rapprocher à mon avis des clients, c'est ces visites de gestion des risques. On a commencé ces visites de gestion des risques avec une idée, c'était de travailler dans les hôpitaux avec les équipes pour voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer notre gestion des risques et comment le personnel pouvait retrouver des conditions de travail meilleures tout en adaptant à la gestion des risques. Alors je pense que CHAM a permis de transformer une relation client-fournisseur en une relation de partenariat. Ils nous ont beaucoup aidés et ils aident beaucoup, autant dans la relation qu'on peut avoir avec eux que dans les risques encourus et auxquels ils nous aident à répondre.